dedans et que vous êtes au taquet. Bon, vous le savez, nouvelle année, plein de nouveaux trainings et plein de nouvelles manières de pouvoir vous faire transpirer et de renforcer tout votre corps. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, nous sommes après les fêtes, donc bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses. En espérant que 2021 va nous permettre de pouvoir reprendre le sport en réel et ensemble. On croise les doigts. En attendant, en tout cas, on va continuer et essayer de rester motivé en continuant le training avec les vidéos. Du coup, aujourd'hui, on va travailler tout le corps. Vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Un tapis si vous en êtes équipé. Si ce n'est pas le cas, dans ce cadre-là, je vais vous laisser prendre une chauffage au sol qui vous mettra en confort, un coussin ou une serviette, les deux d'ailleurs, et aussi une paire d'haltères. Si vous n'avez pas d'haltères à la maison, ce n'est pas grave. Prenez quelque chose qui fera office de charge. Par exemple, deux bouteilles d'eau ou deux autres bouteilles de votre choix qui font bien évidemment la même contenance pour que ce soit les mêmes charges. Une bouteille d'un litre fera 1 kg. Donc si vous voulez prendre un peu plus, vous prenez 1,5 litre, 2 litres, un magnum, enfin ce que vous voulez. Mais en tout cas, prenez des charges pour pouvoir renforcer votre corps. Comme je vous disais juste avant, c'est un full body. Donc on va vraiment travailler tout le corps. On va essayer d'utiliser les mêmes charges pour tout le corps. Vous pourrez faire en poids de corps sans rien du tout s'il y a certains mouvements qui vous embêtent et sur lesquels vous ne vous sentez pas à l'aise. On va commencer en s'échauffant et ensuite on va faire des mouvements qui ont pour objectif de travailler l'ensemble du corps. On va éviter de travailler que les biceps, que les triceps, on fera des mouvements assez globaux. C'est parti. Pour l'instant, les pieds un peu plus larges que le bassin. On va enrouler les épaules. On change. Vous allez creuser le ventre au maximum. Fléchissez les bras, on forme des grands cercles avec les coudes. Allongez au maximum. Ok, vous allez faire la même chose en pivotant vers l'extérieur, gauche et droite. Twistez complètement votre tronc, twistez votre buste. Magnifique. Vous allez faire la même chose mais en tendant les bras vers l'extérieur. Et en simultané, vous twistez de part et d'autre. Et droite et gauche. Creusez le ventre au maximum et essayez vraiment de pivoter de part et d'autre. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous revenez au centre, vos bras sont fléchis, vos abdos serrés. Pivotez droite et gauche. Gardez la tension dans la sangle abdominale, mettez les gros coups de coude de part et d'autre. Vous vous sentez à l'aise et bien descendez sur les cuisses en simultané. Ok, on va faire la même chose. En allongeant les bras vers l'extérieur, vous revenez au centre à chaque fois. Toujours en descendant sur les cuisses, si vous vous sentez à l'aise, bien sûr. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez pousser les bras vers le sol et on plie, on tend. Vous ramenez les coudes en direction des épaules, puis vous tendez les bras vers le sol. Si vous vous sentez à l'aise, descendez avec moi sur les cuisses. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on va tendre les bras au plafond. Et pareil, si vous vous sentez à l'aise, descendez avec moi sur les cuisses. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reprend les grands cercles et on pivote vers l'extérieur. Magnifique. Ok, on pousse de part et d'autre, on presse avec les paumes de main. 4, 3, 2, 1, vous revenez au centre avec moi en squat. Deux temps fléchis et deux temps en temps. Inspirez en descendant, expirez en montant. Les abdos toujours en tension, les fesses en arrière. En partant de cette base, on va plus loin. Vous me faites un squat, hop, une ouverture avec le genou. Un squat, une ouverture avec le genou. Descendez sur les cuisses, ouvrez en demi-cercle. Squat, demi-cercle. Faites-moi des grands mouvements. Ouvrez. Ouvrez, c'est parfait. Encore une fois de chaque côté. Magnifique. Vous me faites un squat, vous me rajoutez un coup de genou. Et on va pivoter du côté du genou qui se lève. Et on twist. Écrasez les extérieurs de votre ventre. Engagez les obliques. Et on twist. On twist, magnifique. Vous me rajoutez encore un de chaque côté. Ok, super. Vous allez faire un grand pas sur votre droite. Pivotez à droite, placez-vous en position de fente. Le talon de votre jambe arrière décollé du sol. Les mains à votre taille, abdos. Fessiers contractés, on part en single. On plie, on tend.
On inspire, on expire. Repoussez le sol avec le talon de votre jambe avant. Les genoux forment des angles à 90 degrés lorsque vous descendez en flexion. Encore 3, 2, 1. Et nous changeons de côté. Talon de votre jambe droite, jambe arrière, décollez du sol. Les mains à la taille, on plie, on tend. Les fessiers sont soudés, le nombril aspiré dans le ventre. 5, 4, 3, 2, 1. Et nous revenons au centre. Vos jambes restent fléchies. Vos bras, eux aussi, sont fléchis. On ferme et on ouvre à l'extérieur. Sentez les omoplates se presser dans votre dos. Donc, vous avez une légère flexion dans les cuisses, les abdos toujours en tension. 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez garder les bras fléchis. Les jambes, elles aussi, sont fléchies. Coude gauche, genou droit. On pivote, on revient au centre et on change. Coude droit, genou gauche. Et on revient. On twist. On revient. 1 et 2. 1 et 2. Allez, descendez sur les cuisses. Gardez la contraction. Magnifique. On fait encore une fois de chaque côté. Ok, on reprend. Fermeture, ouverture avec les coudes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Un dernier mouvement, vous gardez les bras fléchis, vous tirez les coudes vers les genoux et vous tendez au plafond. On inspire, on expire, on descend sur un squat. En simultané, les coudes sont tirés vers les genoux. Puis vous tendez les bras ainsi que les jambes en direction du plafond. 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez. Enroulez les épaules. Et puis faire un coup si besoin. On attaque avec des mouvements comme je vous l'indiquais, ayant pour vocation de renforcer le bas du corps et aussi le haut. On va faire une séquence quand même assez intense sur environ 30 minutes, ayant pour vocation d'engager tout votre corps. D'habitude, je travaille par groupe musculaire. On fait biceps, triceps et ensuite on passe à autre chose. Là, on va vraiment faire un mix pour tout travailler. Je vous laisse boire un coup et je vous laisse vous munir de vos haltères. À la vôtre. Alors juste, avant qu'on poursuive, deux, trois petites consignes. S'il y a certains mouvements que vous ne pouvez pas réaliser parce qu'ils vous font mal ou parce que vous ne vous sentez pas à l'aise, vous n'hésitez pas à prendre les options que je vous donne. Vous pouvez absolument réaliser tous mes exercices sans haltères si vous ne vous sentez pas à l'aise. Allez, on y va? Let's go. Donc vous avez les haltères dans les mains. Vous êtes pour l'instant sur un squat large. On enroule les épaules, on serre les abdos. Et fléchissez en squat, vous ramenez les poings en direction des épaules. Les poings sont à l'extérieur des genoux. Vous êtes en train d'engager les quadriceps ainsi que les biceps. Un squat, on ramène les poings aux épaules. Et on descend, boum, on ramène aux épaules. 1 et 2. Nous avons 30 secondes sur ce mouvement. Attention lorsque vous faites votre squat de ne pas vous pencher en avant. Ce n'est pas le même mouvement et on n'engage pas les mêmes groupes musculaires. Et on descend en squat. Et on engage les biceps. Magnifique. Allez, restez avec moi. 15 secondes. 1, 2, 3 et 4. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 15 secondes. On va rester en bas. Bloquer un squat et on plie. On tend. On ramène les poids épaules. Flexion. Extension, les fesses sont en arrière, vous gardez la tension dans les quadriceps et sans vous pencher en avant, vous ramenez les poids à l'épaule. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on enroule les épaules, on reprend deuxième séquence. Un squat, flexion de bras. 1, 2, 3 et 4. Allez, faites-moi un beau squat, descendez sur les cuisses, puis ramenez les poids à vos épaules. Hop, on ramène. Donc vous l'aurez compris, on peut se permettre de prendre des poids quand même relativement lourds sur ce type de groupe musculaire assez conséquent. Ok, on est presque. 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ensemble, on bloque en bas et on plie. On tend. Épaules, je redescends. Attention à ne pas vous pencher en avant. Gardez la poitrine haute. Et 5, 4, 3, 2.
3 et 4. Ok, 30 secondes. Ne lâchez pas maintenant. Boum. Boum. Allez, 20 secondes. Pour 20 secondes, allez, allez. Hop. Et on plie. Parfait, les derniers. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste en bas. 15 secondes. Flexion, extension. 1, 2, boum, boum. Allez, on y est presque. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ouh. Aïe, 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 aïe. Enroulez un peu les épaules. Changez. Parfait. Secouez un petit peu les jambes si besoin. Nous allons poursuivre avec travail au bas du corps. Je me mets de profil que vous puissiez bien voir ma position. Vous allez vous placer en fente arrière droite. Le talon de votre jambe droite est décollé du sol. Il va d'ailleurs le rester jusqu'à la fin de votre exercice. Ne reposez jamais le talon. Le talon est décollé. Vous puissiez contracter la poitrine haute. Vous avez une halter en chaque main. Vous pouvez prendre une seule halter si vous souhaitez, si vous ne vous sentez pas à l'aise, ou vous pouvez faire carrément sans rien. Alors, je vous montre. Le bras gauche va rester fléchi comme ceci. On va travailler avec le bras droit. On serre les fesses en creux de ventre, on les sent en pente et on monte au plafond. Le bras gauche ne bouge pas. Il reste en flexion. Il n'y a que le bras droit qui va être en mouvement. 45 secondes. On y va. Engagement des épaules, des fessiers, quadriceps et de la motivation. On y va. Gros engagement de la motivation. On expire. On inspire. En haut, en bas. En haut, en bas. Prenez le temps de faire votre mouvement. Ce qui compte, c'est pas d'aller vite, c'est de faire un mouvement efficace. Et on monte. On descend. 1 et 2. Boum. Boum. Allez, on est presque. 1, 2. 15 secondes. C'est un mouvement quand même assez technique qui demande pas mal de concentration de par votre position et aussi de par les mouvements qui vont engager tous vos groupes musculaires. 4, 3, 2, 1. Ouh. Bon, vous l'avez compris, on change. Fente arrière gauche. On va monter avec le bras gauche. Le bras droit, il se fléchit comme ça. Donc mon bras droit ne bouge plus. On descend, on remonte. Enroulez les épaules, creusez le ventre, serrez les fessiers. C'est à vous. 1, 2, en bas, en haut, flexion, extension, pensez à respirer, on expire pendant l'effort, quand on remonte, on inspire à la descente, pendant le relâchement, on est presque, et j'expire, j'inspire, ok, 20 secondes, allez ça passe terriblement vite. Ça commence à brûler, n'est-ce pas, hein? Ouh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah! Ok, on a encore une fois sur le côté. Même topo. Bras gauche fléchi, ne bouge plus. Bras droit en mouvement. Ouh. Enroulez un petit peu. Fente, arrière, droite. Hop, bras gauche figé. Et on plie. Et on tend, on monte. 1, 2. Flexion, extension. Allez, prenez votre temps. Faites-moi un beau mouvement. On garde la tension dans l'épaule gauche. On travaille en isométrie avec l'épaule gauche. Tandis que nous sommes en mouvement avec le côté droit de notre corps. Les dernières secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ouah. Ok, dernier côté, côté gauche. Le bras droit ne bouge plus. Coude à angle droit. Coude épaule à même hauteur. On travaille avec le côté gauche. Enroulez les épaules. Allez, dernier, lâchez pas. Bras droit fléchi, c'est à vous. On plie. On tend, on monte. 1, 2, bim, boum. Ouh. Allez, lâchez rien.
Je descends. Allez, là, le plus dur est derrière. Une fois les secondes, on y est. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Waouh! Il picote hein, celui-là, n'est-ce pas? Ok, magnifique. Pour les ailes d'alter, enroulez un petit peu les épaules. Hydratez-vous si besoin. La suite, toujours des mouvements assez globaux, comme je viens de vous montrer. Vous pouvez bien évidemment toujours tout faire sans halter si vous ne vous sentez pas à l'aise. On va faire pareil un petit mix, on prend le temps de boire et on enchaîne la suite. Ok, pour la suite de nouveau, sans rien, avec une halter dans les mains, comme ceci, ou avec les deux. Ça, c'est vraiment vous qui allez gérer la suite. Vous allez vous placer sur un squat sumo. On va alterner bras droit, bras gauche. Vous descendez en squat, vous tendez le bras droit, vous descendez au niveau des épaules. Vous descendez en squat, vous tendez le bras gauche et vous descendez aux épaules. On y va. Squat, flexion droite. Squat, flexion gauche. L'objectif de ce mouvement, c'est de renforcer vos triceps. Entre autres. Vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez me faire la même chose en alternant un côté après l'autre. Ou bien, si vous êtes avec une charge, vous faites la même chose avec votre charge unique. Ça, vous n'hésitez pas. Allez, hop là. Ok, 30 secondes. Allez, on lâche pas. Et un côté après l'autre. Et boum. Allez, descendez jusqu'à engager vos quadriceps. Et lorsque vous vous redressez, vous atterrez un bras après l'autre pour bien engager les triceps, l'arrière du bras. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ouh, ok, on a un deuxième cycle. Même chose, soit sans rien, soit avec une halter, soit les deux en simultané. On va tenter les deux en simultané, même si vous avez deux grosses haltères, ça peut le faire. Dans le cas où vous avez deux haltères assez conséquentes, vous formez une même prise de main. Allez, on descend, squat, flexion, squat, flexion. Donc vous descendez jusqu'à votre cervicale lorsque vous faites la flexion au plafond. Un squat, une flexion. Allez, on y est presque. 20 secondes. Mouvement très engageant pour tout ce qui est triceps, fessiers, quadriceps, abdos. Le sourcil droit, la pointe des cheveux aussi. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez. Ouh. Ok, troisième séquence. Même chose, mais vous savez quoi? On va aller d'autant plus loin. Que vous n'ayez rien dans vos mains, une halter ou les deux, vous me faites deux petits, donc deux petits au cervical, vous redressez et vous redescendez. On est parti. Un squat. Un, deux, et on redescend. Squat. Un, deux. Allez, ne lâchons pas. Squat. Un, deux. Ouh! Il pique celui-là. Un, deux. Allez, courage. Après, ça se passe au sol. Un, deux. On est parti pour 20 secondes. Les dernières secondes. Allez, restez avec moi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ouh ! Eh ben, dis donc, dis donc. Ok, la suite, ça se passe au sol. Vous allez de nouveau avoir besoin de vos haltères. Pareil, un global ayant vocation de renforcer les abdos, le haut du corps et un peu le popotin. Je vais vous laisser prendre votre tapis, vous installer dos à plat sur votre tapis en gardant les haltères pas très loin. Hop là. Donc la suite des festivités va se passer en position assise. Munissez-vous d'une halter, de deux haltères ou de rien du tout si vous ne vous sentez pas à l'aise. On va commencer par l'instant avec un mouvement que vous connaissez, le Russian Twist.
C'est la provocation de renforcer votre taille et d'affiner plus ou moins la taille. En fonction de comment vous vous sentez et de vos potentielles blessures, on va ajuster un petit peu la position. Je vous montre donc. Donc les haltères, pas très loin. Vous êtes pour l'instant en position assise. Vos jambes sont fléchies, votre dos est droit et vos abdos sont serrés. Vous êtes fragile au niveau des lombaires, je vous invite à rester là. Vous sentez plutôt à l'aise en gardant le dos plat, plongez jusqu'à sentir le centre du ventre en tension. Vous n'avez rien, les mains l'une par-dessus l'autre et vous allez pivoter droit à gauche. Vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous munir d'une haltère que vous allez prendre dans les mains et pivoter droit à gauche. Vous vous sentez hyper à l'aise, la même chose avec les deux haltères. On y va, droite et gauche. Twistez jusqu'à sentir les obliques, donc de chaque côté de la taille, en tension. Si vous vous sentez à l'aise, posez les charges dans le sol, pivotez au maximum et décollez les pieds du sol. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous gardez les talons dans le sol. Allez, et on twist, magnifique, moins de 20 secondes, allez on y est, 1, 2, et j'écrase de chaque côté de mon ventre, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et vous relâchez. On a une deuxième séquence comme celle-ci, fait chaud n'est-ce pas? Donc pareil, on twist, sans rien. Avec une charge dans les mains ou en pivotant droite-gauche avec les deux haltères. C'est parti. Allez, à vous de jouer. 45 secondes. On allonge la colonne, on plonge et on pivote. Option numéro 1, vous êtes sans rien. Numéro 2, avec une seule haltère. Et numéro 3, avec les deux haltères. Et on n'hésite pas à décoller les pieds du sol si on souhaite aller un peu plus loin. Posez les charges dans le sol et écrasez de chaque côté du ventre. Magnifique, 20 secondes. Allez, on y est presque, on y est presque. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouh ! Il nous reste un tour. Récupérez un petit peu. C'est chaud, n'est-ce pas? En même temps, vu la température actuelle, ça ne fait pas de mal de nous réchauffer un peu. Donc pareil, trois options, dernier tour, après gros engagement des épaules et des abdos. Une haltère, deux, nala. On y va, allonger la colonne et pivoter. 1, 2. Et si ça va, on décolle les papates du sol. Et j'écrase de chaque côté du ventre. Ok, 30 secondes. Allez, mine de rien, 45 secondes, ça passe terriblement vite. Ok, vous y êtes presque. 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wouah ! Oh, fallait pas 10 secondes de plus, hein. Ok, magnifique. Bon, j'ai une super nouvelle pour vous. On a fait approximativement 80% du cours. Wouh ! Bon, il y a toujours une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, vous savez, dans la vie. Le yin, le yang, l'enfer, le paradis, hein. On a toujours deux puissances qui contrebalancent et qui s'équilibrent grâce à ça. Et ben, vous savez quoi ? Donc, la bonne nouvelle, c'était qu'on a bientôt fini le cours. Wouh ! Et la mauvaise, mais ça peut être pris aussi comme étant une super nouvelle. Gay, nage, gay, nage, gay, nage ! On y va? Ah, ça me faisait tellement plaisir de pouvoir le balancer, ça. Messieurs, dames, on a toujours les haltères. Ouais! On est en gainage. Ouais! Franchement, mieux que Disneyland. Les mains de chaque côté des haltères. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, bras tendus, s'il vous plaît, mettez-vous sur les avant-bras. Vous avez tous et toutes l'habitude de mon cours, de mes cours, donc vous connaissez les options. Sur les genoux, jambes tendues, sur les avant-bras ou bras tendus. Un panel d'options vous permettant de réaliser tranquillement, posément votre exercice. Donc, les mains de chaque côté des haltères. Vous pouvez aussi être sur les avant-bras, sur les genoux ou jambes tendues. On creuse le ventre, on prend l'haltère, on ouvre vers l'extérieur, on pose et on change. C'est parti. On ouvre, on pose et on change. Boum. Et on pose. Allez, serrez fort les abdos, gardez la poitrine et le bassin face au sol. Vous êtes sur un gros engagement au niveau des abdos ainsi que des épaules. Et on ouvre. On pose.
garder la stabilité de sorte à pouvoir garder la poitrine et le bassin fixes en gardant les abdos et les fessiers contractés. C'est ça qui vous maintient droit et qui évite que le bassin se balance de droite à gauche. On est presque 5, 4, 3, 2, 1 et vous relâchez. Si vous avez tenu toute la séquence sans poser les genoux, vous avez tenu plus de 45 secondes. Bravo. Allez, on va réitérer l'opération d'exploit. Même chose, cette fois-ci, on va ouvrir extérieur. Avant, on repose. 1, 2 et on change. On y va. Extérieur, avant, on pose et on change. Extérieur, avant, on pose, on change. 1, 2. 1, 2. Allez, ne lâchons pas maintenant. Pas maintenant que les trois quarts du cours sont effectués quand même, ce serait dommage. Boum, boum, et 15 secondes. Allez, on y est presque, restez avec moi. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. On roule un peu les épaules. N'hésitez pas à détendre les poignets si ça tire. Dernière séquence. Après, on a encore une séquence pour le popotin. Et après, c'est terminé. Promis. Ah, quand on fait un global, ça promet toujours. 1, 2, on y va. Allez, go. Extérieur, avant. On pose. Extérieur, avant. Ok, nous y sommes presque. 20 secondes. C'est dur hein, de tendre devant. On a l'impression que tout notre être est tapé vers l'avant. Aïe, aïe, aïe. Ok, 6. 5, 4, 3, 2, 1, et vous relâchez. Waouh! Ok, on engage le popotin, entre autres. Vous allez vous placer dos à plat sur le sol. Donc pareil, avec, sans haltères, peu m'importe. Là, on va prendre une seule haltère. Alors, si vous avez des grosses haltères, moi, il s'agit de 3 kg. Donc en tout, ça fait 6 kg. Ça commence à tirer un peu. Si vous avez des haltères quand même assez conséquentes, en prendre une haltère, c'est pas mal. Par contre, si vous avez du 1 kg, 1,5 ou 2 kg, vous pouvez prendre les deux haltères. Par contre, 6 kg, ça commence à tirer un peu fort à bout de bras. Vous allez comprendre. Enfin, modulez comme vous le voulez. Mais par contre, si vous avez des petites haltères ou bien une bouteille d'eau qui est quand même assez conséquente en termes de taille, vaut mieux en prendre une seule. Grosse haltère, bouteille d'eau, une seule. Petites haltères, on en prend plusieurs. Je vous montre. Les pieds sont largeur de votre bassin et les genoux sont parallèles. Votre ventre est creux, bien évidemment, le nombril aspiré dans le ventre. Tendez les bras et les pieds, vous pouvez au moins frôler le talon. Pas forcément agripper les orteils, au moins frôler le talon. Genoux parallèles, ventre creux. Dans l'immédiat, vous avez votre haltère ou vos haltères dans les mains. Donc moi, il s'agit d'une seule haltère. En deux temps, vous allez décoller le bassin et en simultané, vous allez pousser les bras au-dessus de la tête. Alors moi, je suis en canapé, je m'avance un peu. Deux temps, vous montez le bassin, la charge ras du sol. Deux temps, vous descendez le bassin et vous réalignez. Ça demande de la coordination. On monte le bassin, on pousse la charge ras du sol, on serre les fesses. On descend ras du sol avec les fesses, on aligne le poids. Allez, on y va. On expire. On inspire. Allez-y doucement. Expirez. Inspirez. Là, c'est la coordination qui est un peu dure. On n'a pas l'habitude de faire ce genre de mouvement. On expire, on inspire, encore, prenez votre temps, 1 et 2, encore 15 secondes, 1, 2, et on monte le bassin, on tend les bras, et on descend le bassin, on aligne les épaules, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, on va rester en élévation, les bras tendus, vous faites des toutes petites pulses en gardant les bras tendus. Abdos, fessiers contractés. Ça, c'était notre tour de chauffe. Et on monte le bassin. Gardez les genoux parallèles, les fessiers soudés l'un à l'autre. On appuie dans les talons. Et on monte. On monte. Allez, courage sur nos dernières secondes. 10, 9, 8,
2, 1 et vous relâchez. Ok, on récupère 15 secondes. La terre est dans votre main gauche. On va travailler avec la jambe droite. On va travailler en diagonale. Si ça ne va pas, vous travaillez sans charge du tout. Ok, bras gauche, jambe droite. La terre est dans la main gauche. Montez le bassin. Tendez la jambe droite. Vous ramenez le poids au niveau du genou. Vous tendez le bras à la jambe. Et on ramène. Et on tend. Votre bras droit est tendu à plat sur le sol. 1 et 2. S'élevez sur maximum. 1, 2. Creusez le ventre. 1, 2. Il est dur celui-là. Allez, on est presque. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Avant de changer de jambe, gardez la terre dans les mains, fessiers contractés, on est en élévation tout petit. Allez, on monte. Et on pousse. Et on va enchaîner directement avec l'autre côté et après on passe au stretch. Aïe, aïe, aïe. Donc pour la suite, la terre sera dans la main droite, on va travailler avec la jambe gauche. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La terre dans la main droite, jambe gauche, le bras gauche est à plat sur le sol. On ramène. On tend le bras à la jambe. 1 et 2. 1 et 2. Bien évidemment, vous l'avez compris, hein, on appuie fort dans le talon droit. Hein. Allez. 1, 2. On y est presque. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On finit. Les talons dans le sol. Les bras, les jambes tendues, pas du tout les bras tendus, pas les jambes tendues, on a fait dans le talon. Et on y va, on monte. Les bêtises, ça y est. Allez, les dernières secondes. Serrez les fesses au maximum. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ouh, ok. C'est fini. Je vous laisse vous hydrater. Posez les haltères un peu plus loin au sol et on s'étire. Eh ben dis donc, hein, quand on fait des full body, c'est toujours très très fun. Alors, je vais changer de musique. Mettre une musique un petit peu plus douce et un petit peu plus agréable. Et nous allons nous placer dos à plat sur le sol. On y va, on s'étire. Hop là. Donc, vous êtes dos à plat sur votre tapis. Montez les genoux à votre poitrine, saisissez les tibias et faites légèrement basculer les genoux de part et d'autre de sorte à détendre vos lombaires. On va plus loin, les bras en croix, allongez les mouvements de balancier de droite à gauche jusqu'à ce que vos genoux se posent dans le sol de chaque côté. Les paumes de main sont orientées vers le plafond. Nous revenons au centre, attrapez le tibia droit, tendez la jambe gauche au plafond, poussez avec les orteils de votre jambe gauche. Tendez la jambe droite au plafond, pointez les orteils vers vous, attrapez derrière le mollet ou derrière la cuisse. Nous changeons, on tend la jambe droite à plat sur le sol, on monte le genou gauche à notre poitrine, on attrape le tibia gauche. Tendez la jambe gauche au plafond, orteil pointé vers vous, on saisit derrière le mollet ou derrière la cuisse. Magnifique. Pliez les deux jambes à l'aide des mains des avant-bras. Asseyez-vous. De nouveau, tendez vos deux jambes. Du coup, comme c'est un peu foncé, vous n'allez pas trop voir. La jambe droite est tendue. On va crocheter la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Le genou est à la poitrine, on s'agrandit. On va pivoter à gauche du côté de la jambe qui est fléchie. Et on va faire passer le coude droit au genou gauche. C'est coude genou opposé. Donc si vous avez fait l'autre côté, c'est pas grave. Mais faites coude genou opposé. Et twistez. On change. La jambe gauche est tendue. Crochetez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On attrape le genou et on va pivoter à droite du côté de la jambe qui est fléchie. Vous voulez aller plus loin? Faites passer le coude au genou opposé. Coude gauche, genou droit. Et on twiste. Magnifique.
On revient au centre. On décroise. On va ramener les talons aux fessiers et pivoter face contre terre. Sans coller les genoux. Asseyez-vous sur les talons, allongez les bras et posez le front dans le sol. Redressez-vous lentement, prenez appui sur le sol avec les mains. Crochetez les orteils dans le sol, repassez sur les pieds. Et doucement, dos rond, redressez-vous vertèbre par vertèbre. Tête, épaules, monte en tout dernier. Une fois redressé, enroulez les épaules. Changez. Poussez les doigts vers le sol, passez le menton du sol vers le plafond. Regardez loin derrière vous, de droite à gauche. On finit, paume de main plafond, prenez une grande inspiration, allongez les bras. Expirez, alignez les poignets, les coudes, les épaules, arrondissez le dos, poussez les fesses en avant, arrondissez le dos, regardez au niveau du nombril. De nouveau, inspirez, redressez-vous. Et expirez, relâchez en soufflant. Et bravo à vous, messieurs, dames. J'espère que vous avez passé une bonne séance en ma compagnie. N'hésitez pas, si vous estimez que vous n'êtes pas allé assez fort, à le refaire encore jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, en vérité, vous le faites quand vous voulez, c'est un replay, donc n'hésitez pas à la refaire plusieurs fois. Le fait de le refaire plusieurs fois, bon, c'est un peu plus redondant, certes, mais ça vous permet aussi de voir votre évolution, savoir si vous tenez un peu mieux sur les exercices, savoir si vous arrivez à prendre un peu plus de charge. Enfin, voilà, ça vous permet aussi de capter un peu plus l'évolution. Après, il y a un panel d'autres cours différents les uns les autres qui vous permettent de varier un peu les plaisirs avec des formats différents, des temps différents et des mouvements différents. Sinon, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de passer une belle semaine, une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles courbatures.